Et salut les bébous! Aujourd'hui, petite vidéo, Cartus Jungle. Je vais vous montrer comment imploser les méchants. Alors, au vu de la compo adverse, faut faire attention parce qu'il y a un Sylas. Et donc, vous savez très bien que Sylas est un personnage qui peut voler les ultimates. Et il peut voler mon ulti du coup. Ils veulent que je reste. Hein. Bon. C'est pas cool de prendre le raid en vrai. Ça me fait chier, je peux pas acheter de brouilleur oraculaire. Plus à tout moment là ils peuvent venir, mais c'est pas grave. On va écouter les alliés. On va trust les coupings. Je vais le smite le raid. Quoique en vrai non même pas. Hein. Ok, on va. Bon, c'est pas grave, Nautilus a pris un kill, mais ça reste big en vrai. Ok, bah c'est un très bon move ça en vrai. Pas oublier que mon Karthus est légendaire. Et exterminer tous les méchants. Ouais, mais par contre, il casse les couilles à trop s'avancer le. Ouais, bon. En fait là le problème c'est que bah on a l'info que Graves est là et il s'avance comme si Graves n'était pas là. Donc là malheureusement bah je ne peux pas. Ce n'est pas de ma faute. Alors je vois du spamping encore plus. Ah. S'il vous plaît les copains, pas mourir. Nice. C'est big ça, hein. C'est un très très bon early. Être bien en early game avec Karthus, c'est la clé de la victoire. Hein. J'ai encore mon flash. Hein. Je sais qu'il a la vision, le bâtard. Qui crache la wave fast. C'est worse de fou hein. C'est Omega worse. Donc là il va perdre des CS, la wave va revenir. J'ai le kill moi. C'est juste une dinguerie genre vraiment. Mais peut-être pour rien en mode s'il vous plaît. En vrai je pense que je perds gank top hein. Nice, on se refait un petit kill. Faut que je débloque mon ulti. Il est trop con, Graves. Là c'est top. Je pense pas que j'ai des dégâts pour le tuer malheureusement. Est-ce que je back pour acheter des items ou pas?
Ouais, ça fait chier parce qu'en bot, je pense qu'ils vont remourir parce que Graves va être là. Oh non, il est là. Ok, ouais, là c'était des très beaux spells que je viens de lui mettre. Nice. Oh, il me laisse le kill en plus, mais c'est royal. Mais je lui fais des bisous au Jace. C'est mon roi. Je voulais lui laisser le kill, c'est pour ça que je me suis pas trop avancé et tout, mais. Oh là là, c'est mon petit bibou. Bon, là vous voyez, dans une situation quand il y a une hache qui est sous Ghost et tout. Toucher des Q-spells c'est un peu chiant, donc ce que je vous conseille de faire, c'est juste de courir dessus et de laisser votre E faire les dégâts. Parce que vous aurez beau être le meilleur joueur du monde, quoi que ce soit, c'est quasiment impossible de toucher ses Q-spells sur un mec qui est sous Ghost et qui peut faire des sidestep et tout, c'est très compliqué on va dire. C'est-à-dire contre un être humain fort, ça passe pas du tout, donc vaut mieux juste courir et faire des dégâts avec votre flaque. La flaque de Karthus c'est super puissant, c'est un des trucs les plus forts du perso je trouve hein, personnellement. Ok, il y a Graves qui est là. Sûrement le top. Ils sont full HP encore. Hein. Oh, ma ping là. Voir si là c'est grisé. Alors là, le but c'est, je sais que je vais mourir, le but c'est de temporiser et de faire le plus de dégâts. Et là je vais quand même claquer mon ulti parce que je l'ai pas claqué de la game. Bon, j'aurais peut-être pas dû le claquer mon ulti, ça aurait pas grand chose, mais je me suis dit qu'il y a un monde où Jace allait continuer sur Sylas mais il l'a pas fait. Bon c'est pas grave. En fait en temps normal je serais pas mort mais vu que Sylas il m'a ulti en fait avec son propre ult, enfin avec mon propre ult. Bah, j'étais mort quoi qu'il arrive. Un peu chiant parce que sinon en temps normal je pense que je serais encore en vie. Ah mais il est chiant parce que il ping de l'aide, il sait qu'il peut pas y arriver et pourtant... Nice, c'est un gros shutdown ça. C'est très très cool. C'est très 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 big. Je pense que je tue les deux. Nickel. Là vous voyez, là on commence à être vraiment bien dans la game. Là on commence à être à un stade de la game où les dégâts vont arriver. Donc là ce qui est cool c'est que du coup ils peuvent pas faire le Drake. Après je suis pas tout seul dans la game mais la botlane ils aident pas forcément. Ah tu me diras que
tous mes alliés en termes de KDA, ils sont pas foufous. Bon, le KDA, ça veut pas tout dire. Hein. Quoique. Je rigole. Oh, le pilier de Trundle, il a même pas fait exprès, mais ça nous a explosé. Là, ça m'a empêché de m'avancer quoi que ce soit. Ok, donc elle est morte. Après, je mourrai, je pense que personne d'autre mourra. Hein. Quoique, si le Graze meurt aussi. Pas mal, en vrai, en soi, le move est pas mal. Je prends 2 kills. Je récupère le shutdown sur Graves. Honnêtement, le move est pas mal. J'arrive à récolter de plus en plus de ressources. Je vais vite faire le Shadow Flame, et après mon Shadow Flame, je vais partir sur un Rabadon. J'ai pas fait Rabadon en 3ème, parce que ça coûte trop cher et c'est... Ça coûte beaucoup trop cher et c'est chiant en craft. Oh, bien joué, c'est bien. Le Azir, il a un peu pété un câble, mais bien joué toi. On va aller au niveau de l'Herald. Oh, il est grise. Elle a fait péter le ghost, hein. No ghost, no ult. C'est pas mal du tout, ça, hein. No cap, ça nous fait un Herald gratuit. Un Utilis, c'est juste aggrave le Graves, c'est bon. Là, vous voyez, je pense que je tue la hache, je tuerai pas le Trundle. Oh, j'ai eu le Trundle et j'ai pas tué la hache. C'était l'inverse de ce que je pensais. Atrox qui fait mon red buff, pourquoi pas, tu me diras, mais bon. Putain, il fait mon gros plus grave. Ok, pourquoi pas. Elle a quand même fait claquer beaucoup. Hein. Elle a flash et ult. Après, le problème, c'est qu'elle a raison de faire ça. Parce que mes alliés, si je suis mort, ils font beaucoup moins de choses. Qui c'est qui a une flash, là? C'est Nautilus? Non, mais on peut le one-shot, là, le Drake. Ah ouais, non, on pourra jamais le one shot. Oh, par contre, on peut lui voler de fou, là. Mettre l'ulti quand même ici pour réveiller tout le monde. Trundle devrait mourir, non? Ah, il meurt pas. Attends, on peut le faire, hein. Ouais, non, on peut plus. Mais c'était beaucoup bot, hein. J'ai pas mon ulti. Faut se décider, se mettre d'accord sur des choses, mais on peut pas tout faire d'un coup là. Ah, il y a eu trop de pings différents, genre le call Nash était bien, mais ça va pas Nash. Atrox se balade là-bas tout seul.
Je sais pas, il y avait trop de petites bêtises là. Là, la hache est morte, hein. Ça, c'est cool. Non, mais frérot, tu... Enfin, il m'a... Ah, s'il me manque 87 gold et il me vole mon camp, là. Oh! C'est pas que je suis plus utile que toi, mais bon. Avec tout le respect, hein. Un, hop, on attend pour la pink est achetée. Et là, on va jouer Play Soul. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? J'ai un ulti, hein. Si je vais tuer l'Azir ou pas. Moi j'ai tué la hache au moins. L'Azir il a directement back, il a pas cherché à réfléchir. Et il a bien raison. Hein. Il a back TP? Il va mourir de mon spell, mais on meurt du coup. Ah, c'est bien, elle fait pas beaucoup d'efforts en vrai. Hein. Faut que je fasse mes combats, faut que je fasse level 16. Bon, après, il en a pas trop envie. Oula. Jusqu'en train de se bagarrer mid. Je sais pas trop ce qu'il fait, mais bon, why not. Bon, je vais leur badon. Je vais le jouer l'Elder. Hein. Vas-y, on va jouer l'Elder. Hein. Ok, ils ont tout mis sur moi. C'était pas là. Après j'ai gardé mon flash, ça c'est très très bien. Ok, vas-y. Nice, bien joué mon Atrox. Voilà, montre-moi là. Well play, well play. Bien joué ça. Non mais garde-le. Non mais putain. Non. J'ai mon ulti. Oh non, j'ai tellement troll le move. Dans ce type de situation, lorsque tout est perdu, il faut savoir se relever. Certes, cette game aurait été perdue, mais je n'ai perdu qu'une bataille, pas la guerre. Là où la plupart des soldats auraient critiqué leurs alliés afin de dire qu'ils n'étaient pas à la hauteur, je me dis à moi-même que j'aurais dû être meilleur. Je suis first dégâts de la game, et de très loin, mais j'aurais pu mieux faire. Toutes les petites erreurs que j'ai commises, même si elles sont minimes par rapport à celles de mes alliés, je n'aurais jamais dû les faire. C'est ça qui m'a mené à ma propre perte.